Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, welcome here to the Geneva Press Club, Club Suisse de la Presse, pour cet événement. You're going to speak a little bit in French and in English, it's translated. Welcome here to this event under the title Water, Instrument of Peace or Weapon of War. We are very pleased to have with absolutely excellent speakers today. This conference was organized with two partners. On one side, Geneva Solutions, the media of the International Geneva, represented here by Casmira Jefford, the editor-in-chief. She will moderate the next panel. And also, other partner, the Geneva Water Hub, with the University of Geneva, it's very involved in all these questions of water and have a large expertise on this. So just, I'm not going to tell you more about the content and the subject itself, because we have our keynote speech who will do this brilliantly. You can recognize in the middle of the panel, Michael Müller. Michael Müller, for all those who have spent a little time in Geneva, know him because he was the general director of the United Nations in Geneva and also was the Undersecretary General of the United Nations. So we are very pleased to have him here. And I just want to say also hello and welcome all those who follow us on Zoom. We have already some people there following us and some panelists that will also intervene by Zoom, and also all the people that follow this session on live stream. It can be on Facebook, on YouTube, everything is open. And I just remind that you will be able to look again this session later on. It will be registered and you will find it on our website and on Geneva Solutions website. So, but without waiting, I give you the floor, Mr. Michael Müller. Thank you very much for being here. And then we are going to the first panel. Thank you. The floor is yours, Mr. Müller. Thank you very much. Good morning, everyone. Excellencies, ladies and gentlemen, dear friends. It's a great pleasure to be with you today. So I would like to thank Geneva Solutions, the Geneva Press Club, and the Geneva Water Hub for bringing us together. But does this work? Yes. But let me first wish you a very happy International Day of Peace. As I prepared my intervention, the first thing I was reminded of was the sheer scale and the existential stakes we are dealing with when we consider the issue of water. For humans, the only thing worse or whose absence kills you faster than water is oxygen. And for humanity, water has shaped landscapes, defined boundaries, and often determined the course of history, enabling civilizations to flourish while causing others to collapse. So allow me to give a first slightly provocative response to the question whether water is a weapon of war or an instrument of peace by saying that it may be a too narrowly stated dichotomy. Water is both and profoundly foundational to human existence. And it is less a question of war and peace than simply a matter of life and death. Now, I admit that casting the issue in such broad existential terms might not lend itself to a very targeted discussion. One way, then, is to approach the issue, to look at it through the prism of what has defined my professional career and that of many of you in the room over four decades with the United Nations, namely its three pillars of peace and security, human rights, and development. Water is integral to each. First, peace and security. There are 280 water courses shared by two or more countries across the world, and about 60% of all aquifers are transboundary. They serve as a primary source of fresh water for about 40% of the world's population, including the Nile, the Indus, the Ganges, the Euphrates, Tigris, and the Mekong. The risks of water disputes provoking conflict over shared basins are a recurrent and common concern. We have seen warring parties seek to control dams and dikes. We
have witnessed access to water exacerbating communal tensions. Competition for scarce water resources in Darfur and Afghanistan has long been a source of tensions. In Peru, the extractive industry's impact on water is the most common driver of protests and violence against companies by local communities. Armed conflict themselves affect access to clean water. Airstrikes against water and electrical facilities in Syria or the contamination of groundwater resources in Gaza are recent examples. And yet, despite these serious challenges, it is also true that shared water has historically, and sometimes rather improbably, brought adversaries together and served as a crucial confidence-building measure in both interstate and intrastate conflicts. Three quarters of UN member states share rivers or lake basins with their neighbors. Since the establishment of the United Nations, more than 200 water treaties have been successfully negotiated. The 1960 Indus Waters Agreement between India and Pakistan, for example, has survived at least two wars and numerous clashes and diplomatic crises. And in the Senegal River Basin, as I'm sure our panelists will elaborate on shortly, riparian states including Mali, Mauritania, and Senegal have had a long history of benefit sharing, providing a cornerstone for a measure of regional stability and peace. In this context, I would also like to highlight the central role played by women in local water management. Decisions over water allocation have a significant impact on their well-being and safety and that of their children and families. That is why women often, and rightly, advocate for water issues to be directly addressed within peace agreements, as we saw, for example, with the Darfur peace process. These are just a few of many examples why hydro diplomacy has earned its place as an essential instrument in our multilateral toolbox. Second, human rights. The right to safe drinking water was first recognized by the General Assembly and the Human Rights Council as part of international law in 2010, followed by the human rights to sanitation being explicitly recognized as a distinct right by the General Assembly in 2015. These rights are not mere aspirational policy goals. They create obligations for states to refrain from actions that unjustifiably interfere with their enjoyment, including through pollution, overextraction, diversion, and depletion of water resources. And finally, sustainable development. Water is a sustainable development goal in its own right and a sine qua non for all others, from global health to food security. And crucially, to building resilience to climate change. After all, natural disasters are almost always connected to water, whether through floods, storms, droughts, tsunamis, or landslides. And last, but certainly not least, water is key to fighting the current COVID-19 pandemic. Hand washing with soap is one of the most effective ways to limit the spread of COVID-19 and other infectious diseases. Yet, 3 billion people around the world, 40% of the global population, lack basic hand washing facilities at home. Today, Sustainable Development Goal 6 on clean water and sanitation is badly off track. Just consider this data point. It is estimated that by 2040, 1 in 4 of the world's children under 18, some 600 million in all, will be living in areas of extreme high water stress. And as with most development challenges, women and girls suffer disproportionately. For example, women and girls in low-income countries spend some 40 billion hours a year collecting water. That is equivalent to the annual effort of the entire workforce of France. Our failure to value better manage our precious water resources is a moral outrage, a crisis of human rights, a humanitarian emergency, and to bring us back to the question at hand, a major threat to global peace and stability. So the question, of course, is what are we going to do about it? Today, we are at a fork in the road. One way leads to the ever greater fragmentation, a further breakdown of cooperation and trust, climate catastrophe, and increasing chaos and insecurity. Looking at how many are turning a blind eye to the challenges before us or a cold shoulder to working together as one human family, this is the bleak trajectory we are on now.
But another way is open to us, a path towards a greener, better, and safer future. It requires us to come together in concerted multilateral action, implicating the private sector and civil society alongside governments and empowering the voice of youth. It demands a renewed sense of solidarity, and it means looking beyond our own individual and national myopic self-interests, breaking down silos and embracing holistic and collaborative views and actions. It needs better integration between disciplines and across levels, because it is often local and regional initiatives that are the catalysts of positive change with global implications. We have to accelerate our acceptance of the fact that interdependence is the logic and the urgent need of the 21st century, and water is one of the most tangible manifestations of that truth. We actually have the blueprints for what needs to be done. We have the knowledge and the resources to do it. What we still lack is the political and public will for bold, transformative actions. To mobilize and provide that will is our collective responsibility, and we need to do it really fast. On water in particular, the stakes are nothing less than our survival. That is why your discussions today is so important, together with the upcoming discussions here in Geneva at the meeting of the parties to the UNEC Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes, as well as the World Water Forum to be held in Dakar, all of them in preparation for the 2023 UN Conference on the Water Decade. I wish you much success in your deliberations. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Michael Müller, for this keynote speech to start the session. And we now go directly to the first panel, and I give the floor to Casmira Jefford, who is the editor-in-chief of Geneva Solution. The floor is yours, and I let you present the panel. Some speakers will be online, and we're going to try to switch between the room and our connection to Zoom. There are about 40 persons on Zoom right now. Thank you very much, Casmira. I leave you the floor. Thank you, and thank you, Michael Müller, for those opening remarks, and to everyone who's joined us online and in the room. I'd also just like to say this is an opportunity for us as well to raise more media engagement on the topic of water security, and which we're doing with the Geneva Water Hub and its partnership with USCA News, which is a trade platform, trade news platform dedicated to writing about water, and their monthly newsletter called the Water Diplomat. I'll stop there and introduce our panelists today, starting with those that are with us in the room. So we have to my left Patrick Youssef, who's the Director for Africa for ICRC. Thank you very much for being here. And we've got Mara Tunino, who's the lead legal specialist at the Geneva Water Hub. Online, I'm not sure if you'll see them behind me. We'll have Boubacar Barry, expert in charge of water and rural development at the World Water Forum in Dakar, which will be taking place in March next year. We have Monica Ramos, who's the Global WASH Coordinator at UNICEF, and Martin Chungong, who's the Secretary General for the Interparliamentary Union. So thank you to all of you. And I'll kick off with asking the first question to Patrick and talk about some of the challenges presented with water security. Why and where is access to water threatened? And can you give us some examples? Yeah, for sure. So good morning, everyone. And thank you, Casmina and Excellency, for please, your introductory words. Sorry to just ask you to speak closer to the microphone, please. They are not very sensitive. You are speaking far away. That's good. Thank you. Okay. Well, to your question is extremely interesting, but also as broad as the subject matter can contain. Indeed, when we
from the perspective of the International Committee of the Red Cross, mostly being active in areas affected by armed conflicts and situations of violence, we see two trends. One is the fact that we're living today in mostly protracted crises, Somalia being one of them, but other contexts that have started with the first bullet, with the first front line, and has persistently increased in volume when it comes to wars and violence. And what we see, unfortunately, today is that the societies, the social cohesion of certain communities we live in, are completely disrupted. And the importance of water has been indeed quite central, because it is one of the only elements that kind of brings dignity back to the discussion that we have with our communities. As we speak with on climate change, we know that the most vulnerable to climate change today are those populations living in conflict settings, living at war, not being able to cope with the increasing number, with the vast humanitarian needs that these situations are unfortunately leaving behind. And I would also add that because of the lack of mediation, social justice, and community justice, the division of water resources, the fair distribution of water resources, is unfortunately totally absent. And when we know that governments are unfortunately taken by military solutions, like the ones we see in the Sahel, or the one we now see in the Central African Republic, access to basic services becomes obsolete, and I'm also a child of war. I was born and lived in Lebanon throughout my life, where public good ceased to exist. Everything becomes personal. Every family member wants to get its own water resources. So imagine that jungle that people live in armed settings, where everyone wants to fetch its own resources. And you say, why? I think, why? Because water is dignity. I've met recently in the eastern part of Gonko, where, namely in Goma, where there was a huge eruption of the Mont Nyiragongo, and where one of the family members told us very clearly what we need is access to water, but also some protection. And that's where I think it's important to remind, and we'll bring it in the course of the discussion, the legal frameworks around certain weapon bearers, not to extract them from their responsibilities to protect civilians, but also to ensure full access, unimpeded access to water resources. I think many people now will be shocked by this figure. 400 million people living in sub-Saharan Africa have no access to water. And that's not me, Patrick Youssef, nor the ICRC saying it. It's a water institution globally that comes up with such a very alarming data. So I think from there we need to start thinking about concrete solutions, about bridging between emergencies to development, about bridging about the nexus to building peace. And I think we have a collective responsibility to do so as quickly as possible. Thank you, and I'll turn to one of our online panelists. UNICEF have published a series of reports on focused on attacks on water with their series Water Under Fire. Monica, can you talk to us a little bit about the types of concerns you've witnessed and also how this has impacted children in conflict zones? Yes, indeed. Thank you so much for having us here today. For us, in terms of UNICEF, what we've really seen in recent years is an increase actually in the conflict-related emergencies where we're intervening. And so we've actually really been seeing as well that children are really under attack, that these types of attacks are really hindering their well-being, their access to water, their access to sanitation, hygiene. It's also attacks directly related to water infrastructure.
that are either through incidental harm or used tactically by a party to the conflict to really limit the water supply to populations, particularly that of vulnerable children and their families. So we've seen kind of three patterns happening. So the first one really being the attacks on the infrastructure itself, both to the physical impact as well as to the service providers and their staff. So the safety of those staff that need to report to work to keep the water and sanitation services flowing, and also recognizing that at any time the infrastructure has and can come under attack. So we definitely also see that this has disrupted services, which obviously has quite a bit of knock-off effects in terms of children and their families accessing. We've also seen conditions where looting has happened of either consumables or fuel that is really required to keep the systems running. So we do see an overall knock-off effect of really the attacks on these essential services being tactical and really focused at disabling the civilian population's entitlements to basic services around water and sanitation. The second is really the misuse of water and sanitation services during armed conflicts. So again, we see a number of tactics that have been demonstrated by parties to conflict, deliberately shutting down water supply or potentially not allowing certain groups to have access. We also see that some service providers and their staff have actually been asked or forcibly asked to vacate water facilities in terms of the operation and maintenance. And in some cases, we do see that the use of this infrastructure is used for military gains and also to exert a certain control over populations. Lastly, what we also are seeing is quite a bit of obstruction of humanitarian access. So really the denial of humanitarian access in terms of being able to have our humanitarian workers provide support to either the service provider staff themselves or that of necessary commodities and supplies that are required to maintain water infrastructure, either that to keep it operating and functional or potentially even to repair damaged infrastructure. So again, we do see this as being tactical. We see that it has the knockoff effect of not being able to ensure that essential services are delivered to those that need it most, whether that be through the delivery of equipment, spare parts, consumables, anything that is required to keep these systems operating and functioning well. So really for us, we do see that there is quite a bit of direct impact of these attacks on fulfilling the work that we do as UNICEF in terms of children's ensuring children's rights to water and sanitation. So I'll stop there. Thank you. And you gave examples there of both how water is both a kind of a casualty of conflicts, but also misuse, would you say, as far as being, in that sense of being misused, weaponized? Yes, and I mean, essentially, this is what we really speak to during in our Water Under Fire report series, particularly in volume one, where really water and sanitation infrastructure is under attack, and it is a tactical measure that has been used in certain instances and cases by those that are involved in the conflict, the parties involved, to be weaponizing it indeed. Yes. So I can kind of flip things here then and talk, go from talking about conflict, but about peace and peace building. Mara, what links can we make between water and peace building? Yeah, thank you. It is an honor for me to join this panel. So I think that as also know the title of this event is, you know, is phrased, no, it shows, no, that water can be used as a weapon of war, and we had the examples of UNICEF shared, but also it is an instrument of peace and cooperation. And I think the first example that came in mind of many of us is the example of the Senegal Development River organization shared between Senegal, Mali, and Mauritania, where this organization, even during a territorial conflict between Senegal and Mauritania, continued to function, and also, you know, was really the forum of negotiation between the
two parties, and where the diplomatic relations started again between the two countries. So in this case, it is really an emblematic example of the of water diplomacy, of hydro diplomacy, you know, where the diplomacy around the water can bring peace between the countries. Another example also that was mentioned at the beginning, it is not the case of the permanent Indus Commission between India and Pakistan. Also there, you know, a commission survived during the armed conflicts. And another example is also the Mekong River Commission, that also in that case, during the Vietnam War, no, the commission continued to function between the riparian countries. I think really that the institutional dimension of the relations between states through these river basin organizations, they are really no agent of peace between states, but also local communities. And I think that this dimension of agent of peace also at the local level should be improved in the coming years. Thank you. Thank you, and we'll come back to that as well in our second panel as well later. But turning to Martin Chungong, the IPU has tackled the issue of water security through specific committees aimed at encouraging dialogue, like the Committee on the Middle East. Can you give us some examples of where water is used as an instrument for peace-building dialogues? Martin, I don't know if you're there online. Hello. Can you hear me, Kasmira? Yes, we can hear you. Okay, very good. Thank you very much. And thank you to the organizers for inviting me to this conversation. And I want to offer you an example of how water is an instrument of peace. A lot has been said by previous speakers about how water is a weapon of war, can be a weapon of strife. We've heard a lot about competition for water resources. We've heard about attacks, like UNICEF was mentioning. But this need not be so. If we can bring together a partnership between science and policymakers, for instance, parliamentarians. And there, I would like to use the example you mentioned, Kasmira, the example of our Committee on Middle East Questions, which is a body that has been created within the IPU to help build dialogue between parties to the Middle East conflict, the Palestinians, the Israelis. And often when I knew that committee early in the 90s, it was a forum for confrontation, sometimes very violent confrontation between the Israelis and the Palestinians on all manners of issues. But then we have been able to change the approach to that discussion to focus on those elements of potential strife, such as water, and to try to transform them into elements of peace, elements for dialogue and cooperation between parties that are otherwise at each other's throats. And what we have done is to use the scientific solution to say, yes, we recognize the fact that in the Middle East, there is a scarcity of water resources. I think Patrick mentioned that in the case of Lebanon, Syria, and the like. And so we said, yes, there is that problem, and we need to solve it to use scientific methods. And that is why there is, I think today, no paucity of scientific solutions to increasing, to growing the what we call the water pie, making water resources more available to the communities that are in need of this water, where it is scarce. So the Middle East Committee has focused on this and tried to identify
scientific solutions, whether it is from the parties to the conflict themselves, like the Israelis. We know very well that the Israelis do have the technology to increase, to grow the water pie. And our approach has been to make sure that there's cooperation between the Israelis and the Palestinians for those scientific solutions to be made available to the Palestinians so that water resources available to the Palestinians can increase. And I think that we have met with a lot of, I think, success in this particular approach. And at the end of the day, what we are trying to do is not to use water as an element of negotiation in a peace process, but rather to use water, the conversation around water, to build trust and confidence, like Michael Muller was saying earlier in his opening remarks, building trust between parties to a very difficult situation, I must say war. And the end result, I think, is that today, if you look at the landscape in the Middle East, if you are counting fora where the Palestinians and the Israelis are in conversation over any issue, the IPU, I think, is one of those rare fora today, given the very fraught atmosphere in the region. And it is thanks to the work that we have done to build confidence among parliamentarians from this region. And we believe that this can help notch the peace process forward. So today, I can feel confident that if I convene the meeting of the Committee on Middle East Questions, the Palestinians would readily come, the Israelis will come, and other parties to the conflict will come. And our business model has been the one that CERN, our neighbor here in Geneva, has used to try to bring together people whose countries or entities are in conflict with one another, and to see how, whether they cannot work on a common project. And the common project here is increasing the water pie so that it can be available for all. So I think that this is a model that we can put on the table and see how we can do that, build bridges between the scientific community and the policymaking community represented by parliamentarians in order to help resolve an issue that holds the potential for strife or war. Thank you. Thank you very much. Well, speaking about using the conversation around water to build confidence and build trust, this is, from what I understand, part of the drive behind the World Water Forum, which is taking place in March next year. Abubakar Barry, the title is Water Security for Peace and Development. And from what I understand, the fact that you have peace in the title of this forum next year was quite a significant feat in and of itself. Can you talk to us a little bit about to what extent peace building is a new approach through which to address water security and some of the main priorities of the conference next year? Thank you very much. Thank you for inviting me to be part of this discussion. I'm representing the executive secretary of this of the Ninth World Water Forum, was supposed to be part of it, but had some other duties, and I was asked to talk on his behalf and on behalf of the Ninth World Water Forum. Indeed, the topic of the Ninth World Water Forum is water security for peace and development. You have two words in there which are very important: peace and development. I do believe that when we talk about peace, we need also to frame it around development, because without development, it will be very hard to have peace there. What does it mean? It means if you look at water security, security for what? Security for access to water first. When we talk about access to water and we talk about security, we need to look at two aspects of it. Not only water access for domestic supply only, we need to use water as a tool for development. How can we transform an environment from a poor one to a developed one through water?
and how can we bring people together to think about it and make things work together so we can have a lasting peace at the end of the day. And this is very important to us. The reason I guess Senegal was selected to host in Dakar, the Ninth World Water Forum, among the reasons, one is the fact that Senegal has proven that hydro diplomacy can work, that hydro politics can work. At the beginning, the first speaker has talked about OMBS, but beyond OMBS, which is the organization, the river basin organization for the Senegal River, we have also OMBG, which is a unique case. Senegal is a unique case in the world because we have two, Dakar is hosting two basin organizations. And the idea of having this organization is how can we put our limited resources for the benefit of people living in the basins. And that is very important. And that brings peace. That's the reason why even during the Senegal and Mauritania clashes, water was not the issue. Let's face reality, water was not the issue. But because if water was the issue, I think the organization could have disappeared. But the organization did last because it was meant to deal with issues that people are facing along the Senegal River Basin. Now, the forum will look at different elements. And one of the key elements of the forum, because it has four priorities, I would say one of the key priority is cooperation through water. How can we cooperate through water to make sure that people will be able to listen to each other and peace can be built around the use of the resources. And we have to show it the example of, as I said, the Senegal River Basin, where we have one authority that make decision on behalf of the four riparian countries, which is something that is unique. The countries will go together, get financing together, and share the benefits and pay off the investment through loans. So these are very important things. We would like to show to the rest of the world that even if you have political differences, you should be able to talk around water and get a quick solution for peace and for a lasting peace. Another aspect also too is the access to water. Access to water is very difficult in some part of the world, mainly in non-developed countries. The so-called developing countries of the world. But we need to look at the reason why water access, I would say water and sanitation, because we need to link the two. We need to think wash, but beyond wash, we need to think also wash and develop. How can we make use water being an input for development? What is happening is in some places, especially in the Sahel, which is of concern to this meeting, we have water scarcity, but do we really have physical scarcity as we have in North Africa and in the Middle East, or do we have economic scarcity? So in most of the Sahel today, the scarcity is economic scarcity. We don't have enough fund, enough resources to invest in having people have access to water. That's a key element. It's very costly, and because also too the policies in general don't meet people's goals. That's a real, we need to think about it. And the forum will be one element, one place where people will discuss how can we alleviate the issue of not getting enough fund to invest into water access and water and sanitation access for people. Up to now, all the forums that have happened were talking about one key element only. They were talking about
mainly urban water supply. For the first time ever, the rural areas will be taken into account where we look at access to water and sanitation for rural people. We also look at, it's the priority I'm leading myself, which is mainly built around water and rural development. How can we use water to develop our rural areas? So at least we can mitigate in one thing, which is the migration, people leaving one place, all the people rushing into boats, trying to get to the European shores. Maybe if we give them the opportunity to use water to develop some kind of progress, to be able to develop some irrigation, to be able to have some income, we have better chances to fix people on their ground. Now, the other thing I would like to raise, to mention before quickly, thank you. Came back, yeah, would be, let's think about the forum will look at the best examples we have everywhere. It will be a cross-fertilization between experiences, Asian experiences. What can we have as a relevant experiences so the world can share them, and then we can build together a world of peace through water. Thank you. For your remarks. And just to pick up on some of the things you said there, Michael Müller mentioned in his opening remarks the right to access to water, which was established in 2010. Mara, how is water protected in case of conflicts? And is the current right to water as we have it, is that sufficient? And how can we move beyond this? Yeah, many thanks for this question. So as it is explained, the human right to safe drinking water covers only personal and domestic uses. So now we have a limitation of the human right to safe drinking water. But when we talk about armed conflict, both international and non-international armed conflict, we should still look not only at human rights law, but also international humanitarian law. So international humanitarian law, we have in the additional protocols to the Geneva Convention of 1977, two specific provisions dealing with water. So water as an object indispensable to the survival of the civilian population, and works and installation containing dangerous forces like dams and dikes that are also protected both in a situation of international and non-international armed conflict. And here, now, if you allow me, now, I would like to mention the work of the Geneva Water Hub in this context, where now we try to clarify now, the legal framework applicable to water, not only the access to water of the civilian population. Of course, now we are putting a lot of focus on this, but water is more of that. I mean, there is also, for example, an environmental dimension of water. No, there is water considered as an infrastructure. So in this work of the Geneva Water Hub with other partners, including UNICEF and ICRC, that we received feedback from them to develop this list of principles, we have identified 24 principles, mainly based on international humanitarian law, but also we bring the perspective of the environment, so the need to protect the water ecosystems. Also, not the need to include water issues in peace agreements, because often water is included in peace agreement under the form of the human right to drinking water, but there are also other elements. For example, we should think about the sharing of transboundary waters, and peace agreements can include also
this perspective. We have an example, the peace treaty between Israel and Jordan, that also included this element of transboundary waters. So the Geneva List also includes this dimension of international water law, of international environmental law, and really, no, we try to have this comprehensive view on the protection of water, that is a complex resource that go beyond also the human right to safe drinking water. Thank you. Thank you very much. We've heard a few examples during this panel of what we mean by water diplomacy, and but Patrick, if I can just ask you, I mean, you talked earlier about this lack of mediation still and how that's exacerbating the crisis we see today. So what can we do to increase better dialogue? I do have a slight problem with asking the international community and the world to think of water as a mean for peace. And my fear is about the conditionalities around building peace, about the minimum facts that one has to consider. Peace is not a zero-sum game, especially when we're left with millions of people mutilated, killed, etc. And my point here is that as much as we all ethically believe water is an essential service, is a tool to dignity, is a way to redress one's ability to re-engage in society, in community, in the absence of other means to bring peace, I do want to emphasize that there is a clear connection, and you mentioned it, Mara, very clearly about what the Geneva Convention on text prohibits. But at the same time, we all know that water is a civil good. And not only water is essential for people's lives and dignities, but in today's protracted crisis, water is essential in the dialogue around bridging the gap between an instant emergency response, like the ones we see today in the north of Ethiopia and the Tigray region, but the immediate need to move from alleviating the suffering of people to improving people's lives in armed conflicts. And these two concepts are different and need to rhyme with each other. And that's where I feel water diplomacy is essential. That's where the Global Water Forum in Dakar, with the participation, hopefully, of the ICRC and so many other organizations, should carry that weight that I feel is not enough. Senegal and the ICRC, but Senegal mostly, when it had a seat at the United Nations Security Council, carried up and above the notion of protection of water resources. And I feel the more diplomatic pressure is put on local authorities, and not only on us here, the members of the international community, which means that these individuals, these entities, these administrations should be the ones treating the root causes of crisis. So let's not fool ourselves. Humanitarian action is a band-aid on an infected wound. It is not the solution for armed conflicts. It is a space for us to act in accordance with our principles, our values, but consider these as essential parts of life. We have people dying because they don't get water. In average, in the Sahel region where we have our operations, in Mali, in Burkina Faso, and many places, we have communities that I met in the region of Diffa that go up to 5 to 7 kilometers to fetch water. So how are we asking people to become agents of peace and agents of change if we're not offering them the basic services, the minimum? So diplomacy at global level, at COP26, which will focus on climate hazards and climate solutions, I personally, Patrick Youssef, but hopefully the ICRC, will call on these states to bring climate solutions to where it matters, not in Paris, not in New York, not in Dublin, but really in Gao and Mogadishu and the places that are hard hit by drought, by the desert low cost, by the lack of resources in general. And I feel water is so essential. It's like our blood. Should I negotiate to have more blood?
This is indeed what I think should be the community, the global community carrying the voices of those voiceless on the ground who today in Basikounou, southeast of Mauritania, have seen the population double in size from 40 to 85 million to 85,000. I was recently in Congo, as I said, the population is 115,000 when everything in the city is organized for 43,000. So just imagine the pressure of the displacement that we're living, the refugee crisis that we're living, the migration crisis that we're living, and we need to connect the dots. When we know that we have over 55 million internally displaced in the world, not only burdening on us, international community, but putting the pressure also on the local communities, how can we really bring the solutions there when we're not also fending off the number of displaced, the number of refugees, the number of migrants reaching the shores of Libya and other places? So I think we need to look at this very holistically and stop pretending that we as water engineers have the solution for everything. And the last point I want to make is the necessity today, in diplomatic terms, and that's what the ICRC is putting in place in Libya, but also for the huge project that we're deploying in Goma West, where we believe that the nexus is not about money. It's about bringing expertise, new expertise around the table, showing ourselves as organizations with due modesty, unable to deliver on all our promises. Hence the need to bring those actors who will never come to conflict zones unless they're encouraged by organizations like ours. And I'm here referring to the World Bank, à l'Agence Française de Développement, the Islamic Development Bank, and so many other actors who act, but finally pretend not being able, or pretend that they are not able to act in conflict zones where the most acute problems are happening. And that's where I think a global call for action, COP26 is one of them, but Dakar will be the center stage next year, would be places for all of us to really think about the messages we want and not simply repeat the same things we usually do in order simply to bring some solutions, at least some promises and hope for those people affected by wars, conflicts, and now we need to add COVID, unfortunately, because the metrics on social economic development are so low, so alarming, that I fear that the worst is yet to come, at least on the African continent. Thank you, and we have 5 minutes left and five speakers, so I give you all 1 minute to give some closing thoughts on what you think are the kind of next steps to improve water security. So if I could start with Monica, maybe you'd want to rebound on some of those points that Patrick just made. Yes, thank you so much. So many good points. And I think really to really think about it from the different stakeholders that are involved. So in terms of what we need to do is the humanitarian community, in terms of improving data sharing and information sharing, as well as reporting, I think that's something we do need to really intensify. We also really need to think about the parties that are involved in conflict and the influence that they have over what happens with fighting and respecting international humanitarian law. So thinking about how we better engage with those stakeholders. Across the UN Security Council, of course, it does link to really a broader issue of international peace and security. And so really, how are we able to ensure that the information and the data that we're collecting is actually shared in reports, and it is really brought to the SG level to ensure that it stays on the radar, because it is a very, very important topic. And then, of course, to the broader donor and international community, we really look for policy, we really look for advocacy, and of course, there is always the need for funding and resource mobilization. So I think that this conversation has been much broader than just the question around peace and water, and I think it does really get down to the core of what we can all contribute to really helping to address the needs of those that are most at risk. So thank you so much for having us here today, and really happy to be here with such an esteemed panel. Thank you, and it's been nice to hear all of the other thoughts and words from others. Over. Thank you, and turning to Martin then, if you could perhaps give you 1 minute to sum up your thoughts as well, and
and perhaps some of the political hurdles we face in the process. Yeah, well, thank you very much. I want to rebound on what Patrick was saying about the need for a holistic approach. Holistic in terms of addressing the different aspects of water management or the water issue, and not just focusing on drinking water, for instance, looking at the broader economic aspects of water. And I want to offer as a follow-up to what Michael said about the existence of several water treaties in the world today. I wonder whether the policymaking community, the legislators in the world today, many of them are aware of the existence of these water treaties. Whereas it is important, they have an important duty to help implement these treaties in their countries. And I would like to suggest that more efforts be put into creating awareness of the existence of these water conventions. As we say, I think the solutions are there. Those of us having this discussion know those solutions, but I doubt that those on the ground, including the politicians, are aware of these solutions. And yet they are the ones, for instance, with the parliamentarians, that are the ones who have to create the legislative framework for implementation. They're the ones who have to provide, through their budgetary functions, resources for implementation of this convention. So I want to make the case for a broad multi-stakeholder approach that would include not only bureaucrats and technicians or scientists, but also politicians, so that we can be working together towards a common cause, that of transforming water from an element of strife into an element of peace. Thank you. Thank you, and Abubakar Barry, if you can also give your thoughts, perhaps how the forum can help to bring together these local authorities with international actors. Thank you very much. First of all, before concluding, I would like to invite you all to join us in Dakar for the 9 World Water Forum. What is different with these many forums that have taken place during the last years is this one want to be a forum of responses, to respond to key questions. How can we make sure that people will have access to water and sanitation? It's something that is very important for the government of Senegal and for the organizers of the forum, and for Africans in general, where we are lacking. We are behind most of the continent when we come down to access to water. And how we will do it, this forum is also unique because it brings all the stakeholders, including parliamentarians, politicians, engineers, scientists, to meet together to discuss issues and to propose solutions. We would like to have some key messages, because during the forum, there will be a summit of head of state, African head of state, and international organization, institutions in general, World Bank, FAO, you name it, UN, UN Water, you name it, African Development Bank, and all the institutions, the Arab League, and so on and so on. So we can discuss really about matters that are important for our people. How can we invest, make sure that people will have access to water? How much money we need, what is needed, and how we can do it? And we hope the results coming out of the forum will really feed into the next UN meeting in 2023 on water. And also because the forum is happening halfway in the Sustainable Development Goal agenda, the UN agenda on Sustainable Development Goal, which is the horizon was planned, I think, in 2030, something like that. So we need to show where are we today in the SDG 6, which is water.
And where are we in the other SDGs? What can be done? How can we bring people? And I hope this is a personal issue, something that is important for me, that when the Africans come together to talk about water and peace, then maybe we can find ways and means to solve one of the key issues today, which is the Nile. I hope people will sit together and talk about how can we share the resources for the benefits of everyone. Also, we would like to conclude to say, once again, join us in that meeting. So nobody in Africa or any other continent will be left by the roadside. Let's hope that we can fix the key issue, which is access to water and sanitation for all. Thank you very much. Thank you. And just final closing remarks then from Mara. Perhaps you can finish off by telling us, you know, some of the best processes maybe to implement water rights. Many thanks for the question. I think that we all have a lot of hope on the World Forum in Dakar. And of course, a central element will be to show how to achieve the SDG 6 in its different component, access to water and sanitation, but also transboundary water cooperation. But also there it is important that we have a comprehensive approach, so that we go also beyond the SDG 6 and look at the linkages between the SDG on water, but also the SDG 16 on peace or food security, climate change, gender equality. So it is important really that during the discussion, I think, at the World Water Forum, we take this holistic approach on water and going also beyond the SDG 6. And then I think also that it is very important that we should look at Dakar as a milestone that goes beyond Dakar. No, so we need to build the linkages with the next events that there will be, the important UN conference on water in 2023. Dakar will be a central moment also to build the foundation of the UN conference on water. Regarding specifically water rights, I would like to say that I hope that the political declaration that will be adopted in Dakar will have strong words regarding the need of transboundary cooperation, and of course Senegal gives this emblematic example of hydro diplomacy, water diplomacy, being at the headquarters of two river basin organizations. So I have a lot of hope in the final declaration also of the World Water Forum on water rights in the framework of transboundary cooperation. Thank you very much. We'll take a short break and be back for our second panel. So stay with us and stretch your legs and find us back here in 10 minutes. Thank you.
Allez. Très bien, voilà, je vous demande peut-être de prendre place. On va reprendre cette discussion. Voilà, nous avons... voilà, je vous laisse prendre place. Très bien, voilà. Alors, merci beaucoup, messieurs les speakers. Madame Marion Weichelt est à distance, je la présenterai tout à l'heure, elle nous suit par Zoom. On va entamer ce deuxième panel aujourd'hui sur la question de l'eau, instrument de paix, armes de guerre. Et on va se concentrer maintenant sur la question du Sahel, une région évidemment qui, en termes de rareté de l'eau et d'accès à l'eau, est une région hautement complexe. L'accès est souvent, très souvent, difficile. C'est une région qui est soumise, comme on le sait, à beaucoup d'instabilité, à beaucoup de conflits, et où la question de l'eau se pose encore avec plus d'acuité qu'ailleurs. C'est aussi une région où il y a, peut-être qu'on nous donnera des chiffres, mais il y a énormément des millions et des millions de personnes déplacées, ce qui évidemment complexifie encore davantage la situation. On va d'abord faire un petit état des lieux, d'abord, pour commencer, puis parler de la façon dont la discussion et les négociations et les interactions entre groupes sur le terrain s'organisent pour tenter de faire face à ce défi de l'eau. Enfin, on va essayer de voir quelles sont les options, les solutions possibles pour cette région du Sahel. Alors, je vous présente aujourd'hui nos intervenants. Merci à tous d'être avec nous. Je commence avec vous, Jean-Bosco Bazier. Vous êtes président d'Eau Vive International, c'est une ONG qui se préoccupe de la mobilisation des communautés locales pour tenter de sécuriser l'approvisionnement en eau. Votre organisation est présente, je crois, dans 6 pays d'Afrique de l'Ouest, donc vous êtes vraiment implanté dans le terrain avec cette organisation. À côté de vous, général de Romémont. Alors, vous m'avez expliqué, normalement, on vous appelle mon général. Je vous appellerai mon général, puisque c'est aussi votre expérience militaire ici qui compte. Donc, général Romain, vous avez été pilote de chasse et vous avez, de l'armée de l'air française, bien sûr, et vous avez 3000 heures de vol, ai-je lu pour le détail, ce qui n'est pas un détail. Et vous avez été actif dans la région, puisque c'est vous qui avez planifié au fond, ou en tout cas contribué, l'un des planificateurs de l'opération Serval 2012, sauf erreur, ou 2011-2013, disons en gros, opération Serval au Mali. Et aujourd'hui, vous êtes pleinement impliqué dans la question de la gestion de l'eau, de l'accès à l'eau dans cette région, et vous suggérez évidemment d'autres solutions que purement militaires, c'est évident. À côté de M. Bazier, nous avons Baba Mal. Alors, Baba Mal, si on était au Sénégal, il y aurait déjà l'émeute, probablement. Ici, vous êtes bien connu aussi. Donc, vous êtes un artiste, vous êtes un chanteur, un guitariste sénégalais, extrêmement populaire et connu dans votre pays, et puis aussi sur le plan international, puisque, je le signale au passage, vous avez obtenu l'Oscar 2019 pour la musique du film Black Panther. Mais surtout, et c'est pour ça que vous êtes également ici, vous êtes très impliqué dans le combat contre la désertification au Sahel. Vous êtes ambassadeur du programme des Nations Unies pour le développement, ainsi que de l'accord pour le combat contre la sécheresse. Donc, merci de nous avoir rejoints. Et puis, j'espère qu'elle nous entend. Il s'agit de Madame l'ambassadrice de Suisse, Marion Weichelt, qui aujourd'hui est avec nous au Liban, puisqu'elle est en poste au Liban, mais depuis peu. Avant cela, elle était pendant 4 ans ambassadrice basée à Dakar, au Sénégal, pour 6 pays, je crois, de l'Afrique de l'Ouest, que je ne vais pas tous énumérer, mais Sénégal, Mali, Niger, je crois, sauf erreur, Burkina Faso, Cap-Vert et encore quelques autres. Voilà, je vous remercie. Alors, première question, je vais peut-être me tourner vers vous, monsieur Bazier. Comment est-ce que vous évaluez aujourd'hui l'accès à l'eau dans cette région,
Et fondamentalement, quel est le problème? Alors, le plus court possible, évidemment, on va essayer d'avoir un peu d'interaction. Vaste problème. Merci, merci beaucoup. Je vais quand même d'abord remercier donc le Geneva Water Hub, notre partenaire, avec lequel nous travaillons depuis quelques années à la réflexion, mais aussi à mobiliser les acteurs locaux autour donc de la question des enjeux de l'eau dans cette région sahélienne d'Afrique de l'Ouest. Et il faut déjà dire que c'est une région où nous avons une population aujourd'hui de plus de 80 millions de personnes qui vivent donc dans cette région sahélienne. 80 millions de personnes, il est probablement 150 millions en 2050. Donc vous voyez que c'est une des régions du monde où il y a une très forte croissance démographique. Et qui parle de forte croissance démographique parle aussi de la croissance des besoins. Il faut nourrir ces personnes, il faut qu'elles aient de l'eau potable, il faut qu'elles aient de l'eau pour produire. Il faut qu'elles aient aussi de l'eau pour une économie pastorale qui aujourd'hui compte entre 60 et 80 millions de têtes de bétail dans cette région-là. Donc l'eau est une ressource qui n'est pas infinie, même si nous ne sommes pas encore au stress hydrique. Nous savons que c'est une des régions qui est l'une des plus touchées aussi par l'effet des changements climatiques de ces dernières décennies. Et donc, la ressource en eau, elle est en difficulté. En plus de cette situation, j'allais dire un peu liée à des effets naturels, on a une situation sécuritaire qui s'est dégradée depuis une bonne dizaine d'années. Les ingrédients étaient là parce qu'une forte croissance démographique et une ressource qui est en partage, évidemment, il y a des risques de conflits, de tensions autour de l'accès et du contrôle de cette ressource qui est la ressource en eau. C'est pour ça qu'on dit que l'eau, elle peut être une arme de guerre, parce qu'elle est sujet donc au contrôle et à l'accès. Alors on y reviendra. Mais elle est historiquement, même pour nos sociétés, elle a toujours été un moyen de construire la paix. Et ça, nous pourrons revenir là-dessus. On reviendra là-dessus. Avec des exemples aujourd'hui, des exemples de points d'eau qui sont fédérateurs. Voilà. Et dont je parlerai tout à l'heure. Merci, Monsieur Bazier. Je me tourne vers vous, Monsieur Babamal. Vous êtes issu d'une famille de pêcheurs, et donc vous avez une connaissance intime au fond du fleuve, de l'eau. Ça fait partie de votre environnement. Ça a en tout cas fait partie de votre environnement direct. Et si j'ai bien compris, vous avez constaté que la situation s'est détériorée au niveau des questions d'accès à l'eau ces dernières 10-20 années. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé? Pourquoi c'est plus compliqué, plus difficile aujourd'hui qu'il y a 20 ans? Bon, tout d'abord, je vous remercie de me convier à ce forum en tant qu'artiste, parce que tout à l'heure, j'ai écouté les intervenants qui étaient là et j'avoue qu'on apprend toujours beaucoup de choses et on sait que on se dirige vers des solutions qui peuvent quand même améliorer nos conditions. Mais moi, ce qui me choque des fois, c'est qu'on a tendance à oublier le rôle de la culture dans la quête de solutions. Moi, je suis un artiste, donc je sais ce que la culture a joué comme rôle dans la consolidation de la paix autour du fleuve Sénégal, ce fleuve où on a vu beaucoup de communautés depuis des millénaires vivre ensemble.
C'est vrai qu'il y a toujours eu des problèmes parce que bon, c'est dans la nature humaine, mais quand même la culture est toujours là, dans les contes, les histoires, les chansons, pour nous rappeler que nous sommes, nous venons de très loin ensemble et que le monde n'est pas prêt de finir. Nous vivons ensemble malgré les mutations, mais nous aspirons à vivre ensemble, donc nous avons le devoir de trouver des solutions. Et la plus grande solution, c'est de comment utiliser l'eau pour quand même faire face à ce qui nous attend. D'abord, les changements climatiques, la COVID-19. Mais excusez-moi de vous interrompre sur le changement climatique. Oui. Pour reprendre ma question d'origine, est-ce que vous, en tant que personne qui êtes un habitant des bords du fleuve Sénégal, justement, vous avez votre père était là aussi, votre famille, est-ce que vous constatez une différence beaucoup de au différence. Niveau de l'accès à l'eau et du fleuve? Mais beaucoup de différences. D'abord la sécheresse qui fait que les gens commencent à fuir cette partie du Sénégal et de la Mauritanie, puisque nous partageons le fleuve avec la Mauritanie. Ce déséquilibre qui existe entre toutes ces communautés, donc, qui sont des communautés de pêcheurs et les communautés d'éleveurs et sur les communautés d'agriculteurs. Et ça engendre beaucoup quand même de difficultés. Ces populations ne comprennent pas ce qui leur tombe sur la tête. Et quand les gens ne sont pas informés, ne sont pas préparés, ça donne naissance à des heurts. Mais ce qui est le plus désolant donc, dans le changement climatique, moi, la musique que je délivre est une musique qui peint parfaitement cette partie du Sahel où j'ai fait mon enfance, où c'était beau. Il y avait de la verdure, il y avait beaucoup de pâturage pour les animaux. Ça rythmait le mode de vie des populations entre les saisons sèches et les saisons de pluie. Et tout cela a disparu. Donc les gens sont obligés de trouver des solutions. Et ça, ce n'est pas toujours facile de trouver des solutions quand on ne connaît pas le responsable de notre malheur. Et je peux dire que c'est ça le problème des populations. Merci beaucoup. Je me tourne vers vous maintenant, mon général, pour vous poser la question de l'intervention militaire. Est-ce que d'abord ces interventions militaires, en particulier au Mali, est-ce qu'elles avaient parfois pour objectif l'eau? Est-ce que l'eau faisait partie des objectifs stratégiques? Et quel était leur impact, au fond, sur l'accessibilité à l'eau? Merci à tous et merci, je salue, je suis très honoré d'être là avec des personnalités qui m'ont toujours fasciné et je rejoins M. Mamal sur le fait que la culture et l'enjeu, et je vais essayer dans Bon Jésuite, je vais vous retourner votre question en reformulant les choses et dire que l'enjeu s'est fédéré. D'un point de vue militaire, si vous me demandez aux militaires français qui étaient, que je ne suis plus en activité, on est allé là pour un objectif précis, donc répondant à un objectif. L'eau, quand les militaires se déploient, ont le souci de préserver, de respecter les consignes d'environnement, mais ce n'est pas leur mandat d'apporter quelque chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'eau peut être un dégât collatéral ou un dommage collatéral? Non. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que dans l'étude de la Banque mondiale que je viens de réaliser, qui va faire écho, parce que ce qui m'intéresse, c'est de parler des solutions, si vous voulez, de l'espoir. Il y a des solutions, pour moi, j'en suis convaincu. On va y arriver assez rapidement, mais le constat. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les militaires, dans la coopération, la problématique de l'eau est un souci pour les déploiements militaires, et il faut faire en sorte que quand des militaires se déploient, ils ne prennent pas de l'eau, que ce ne soit pas au détriment des populations. Et ça, c'est quelque chose auquel on est très vigilant et qui est clairement un axe de progrès, si vous voulez, futur. Mais c'est presque impossible, ça. Enfin, a priori, comme ça, s'il y a des troupes importantes dans un pays comme le Mali, il y a une pression sur l'eau, à l'évidence. Comment voulez-vous l'éviter? Si, on peut le faire parce qu'il y a des respects de l'environnement, il y a des camps qui peuvent être, si vous voulez, aménagés quand les militaires se déploient, il y a des choses. Et l'enjeu, justement, c'est d'apporter ce savoir-faire qu'ont des forces, notamment occidentales, au profit des forces africaines. C'est vraiment un des enjeux majeurs, et il y a possibilité de mieux faire, si vous voulez, donc dans ce côté-là. Parce qu'on peut vivre en autonomie, il y a des contraintes de connaissances.
pour ne pas être dans une logique de gaspillage. Donc, et c'est tout l'enjeu, en fait, derrière, qui est sous-jacent, qui va faire peut-être lien avec la chose d'après, qui est l'enjeu de la connaissance de la ressource. Et le problème, c'est de venir avec la connaissance de ressources et d'apporter aux militaires, comme aux populations, comme ce qui a été dit là, c'est plus de connaissances, et notamment des connaissances de l'eau souterraine, parce que l'avenir de l'Afrique, il est lié à cette capacité de prendre l'eau souterraine. Mmh. Et le paradoxe là-dedans, c'est que seuls les contingents ONU ou français ou européens sont en mesure de faire des forages profonds. Et là, on arrive à quelque chose qui est un petit peu absurde, c'est que la population vit sur l'eau de surface et que certains peuvent accéder à l'eau profonde. Et il est là le débat. Très intéressant. On y reviendra tout à l'heure dans les solutions, justement. Mais j'aimerais avant cela donner encore la parole à Madame l'ambassadrice Marion Weichelt, qui j'espère nous entend et qui est avec nous. Bonjour Madame, est-ce que vous nous entendez ? Bonjour, vous m'entendez ? Oui, on vous entend très bien, merci beaucoup. Merci de vous joindre à nous par Zoom à ce débat. Là, on est en train de faire un peu l'état des lieux, en fond, le problème concret qui se pose aujourd'hui au Sahel. Vous avez été pendant plusieurs années, 4 ans je crois, dans cette région basée à Dakar, et vous avez observé et vous êtes impliqué dans ces questions de près. Comment est-ce que, vu avec un œil extérieur, comment se pose la question de l'eau d'après vous au Sahel ? Votre constat, c'est quoi ? Merci beaucoup. Tout d'abord, je suis ravie d'être sur un panel. Surtout avec, je dois le dire, Baba Mal. On a été, il a parlé de la culture, moi, juste à l'heure. On a été ensemble à Mumba. C'était en février 2020, donc juste avant que le Covid s'est épargné partout au monde. Et là aussi, on a beaucoup parlé de la question de l'eau. Voilà, j'ai été, je vous joins du Liban, vous avez mentionné, on a eu beaucoup de problèmes techniques, de l'infrastructure. C'est un peu plus compliqué ici qu'en Afrique de l'Ouest, je dois dire. Mais bon, c'est pour ça que je suis sur mon iPhone et la qualité n'est pas géniale. Mais bon, vous m'entendez, je vous entends. Donc, j'ai été ambassadrice de la Suisse à Dakar et les pays avoisinants. Et là, cette question de l'eau m'a beaucoup occupée pendant mes 4 ans que j'ai été ici. Et plutôt, cette question, comment est-ce qu'on peut utiliser cette ressource de l'eau comme facteur de paix au lieu de facteur de source de conflit ? De source de conflit, on le sait bien, mais les autres l'ont déjà mentionné, mais comme facteur de paix. Et là, c'était, il y a l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. On a entendu parler de cette organisation au panel 1. Et cette organisation fait un travail magnifique. La Suisse, elle est active dans cette question de l'eau un peu partout au monde, aussi en Asie centrale. Là, les questions, c'est très compliqué, cette question d'accès à l'eau, de cette gestion de l'eau transfrontalière en Asie centrale. Et puis, c'est la coopération suisse qui s'est dit, bon, OK, on invite les gens, les officiels des gouvernements de 5 pays de l'Asie centrale à venir au Sénégal et au Mauritanie pour voir comment ça se passe là avec cette organisation, l'OMVS. Et donc, c'est l'ambassade que j'étais à la tête qu'on a organisé ce voyage d'une vingtaine de personnes, des officiers du gouvernement du Tadjikistan, Kyrgyzstan, Ouzbékistan, Kazakhstan et la Turkménistan à venir à Dakar. Alors, qu'est-ce qui fait la différence avec qu'est-ce qui est si particulier à Dakar avec le fleuve Sénégal, qui est considéré comme un très bon exemple de coopération? Qu'est-ce que vous avez apporté dans ce processus, très brièvement, parce qu'on va devoir... On a facilité cette visite, on a fait des visites aussi sur les terrains.
et évidemment aussi un échange avec, avec les officiels de l'OMDS pour leur montrer comment c'est possible de gérer cette ressource qui est le fleuve Sénégal ensemble. Et voilà, c'est ça ce qu'on a fait. On a organisé cette visite pendant toute une semaine au Sénégal, mais aussi en Mauritanie. Merci beaucoup. Alors, je me tourne peut-être vers vous, Monsieur Baba Mahal. On voit que le fleuve Sénégal est toujours cité comme un bon exemple de coopération, surtout quand on le compare au fleuve Niger, où le partage de l'eau est beaucoup plus difficile. Comment est-ce que vous expliquez, comment se joue au fond ce partage de connaissances et ces discussions entre des groupements communautaires locaux? Comment est-ce que ça se met en place, la gestion de l'eau au niveau local? Non, mais comme j'ai dit tout à l'heure, la culture a joué un très grand rôle. Donc, bien avant l'arrivée, par exemple, d'organisations qui vraiment ont fait leur preuve, je sais qu'il reste beaucoup à faire, mais comme l'OINVEST, par exemple, qui est un partenaire du Blues du Fleuve, un festival que nous organisons à Podor, pour parler, festival de musique, bien sûr, mais on prend le temps de parler, de faire des discussions sur les sujets qui nous interpellent, les problématiques de l'eau, de l'éducation, du développement en général, parce qu'on ne peut pas parler de paix, de sécurité, sans parler de développement, on l'a entendu tout à l'heure. Et je pense aussi que cette cohésion, cette façon de vivre ensemble, c'est toujours autour de l'eau, mais c'est toujours encouragé par la culture. Donc vous êtes un rassembleur, au fond, de toutes les personnes qui, à travers vos musiques, se retrouvent et peuvent participer à un mouvement plus large, notamment sur les questions de l'eau, si je comprends bien. Oui, mais je pense que la culture doit jouer ce rôle, surtout sur le continent africain. D'être vraiment quelque chose qui fédère les populations, qui fédère les communautés, qui les aide à mettre sur la table les problèmes qui existent entre ces différentes communautés et de trouver des solutions. Parce que la culture nous rappelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, que nous devons vivre ensemble, nous devons gérer nos problèmes ensemble. Et alors, vivre ensemble, M. Bazier, oui, mais on sait que, y compris dans les régions plus pacifiques, si on peut dire, que le Sénégal, il y a quand même le manque d'eau crée beaucoup de tensions. Alors, quelle est votre stratégie pour rassembler les gens, les communautés, pour les faire parler entre elles? Comment ça se passe sur le terrain? Je pense qu'il n'y a pas 36 000 solutions. Le mode même de vie, de fonctionnement des sociétés africaines a toujours été autour de l'arbre à palabre. La vie s'organisait, nous on est nés dans les villages, on voit que tout s'organisait autour aussi du point d'eau ou des points d'eau. Et l'eau et les points d'eau avaient un caractère sacré. Et pour ce faire, ça fait partie de la culture, comme l'a dit Baba Mahal. Et personne ne transgresse ce qui est sacré. C'est la modernisation aussi de nos sociétés qui a amené des systèmes de gestion qui étaient souvent en décalage avec les modes de vie et de fonctionnement des sociétés. Et c'est pour cela que la première table ronde des acteurs locaux autour du thème eau, vecteur de paix au Sahel, que nous avons organisé avec le Geneva Water Hub à Ouagadougou début juin, et qui a réuni une trentaine donc d'acteurs de toute la zone, des trois frontières, des trois pays en crise, Mali, Burkina, Niger, ont tous reconnu qu'il fallait probablement retourner à certaines valeurs et certains modes de vie et de fonctionnement des communautés qui avaient quand même le mérite d'avoir pu préserver et donner à ces communautés-là de quoi vivre en paix et en sécurité pendant des siècles. Donc, nous savons que la situation s'est dégradée dernièrement, mais nous savons aussi qu'il y a des valeurs très fortes des sociétés qui peuvent aider à remettre un peu de l'ordre. Par exemple, nous prenons des points d'eau. Vous avez des points d'eau
emblématique qui existe dans le nord du Burkina ou dans le sud-ouest du Niger. Ce sont des mares ou des forages à gros débit, mais qui sont sur des routes de transhumance. Mais ces points d'eau-là, malgré qu'ils appartiennent, enfin, ils sont installés dans un pays et dans des villages, ils avaient historiquement un rôle d'ouverture, d'accès à tous les transhumants, qu'ils viennent du Mali, de Mauritanie, du Sénégal ou du Niger, du Burkina. Et ce n'est plus vrai aujourd'hui. Mais ce n'est plus tout à fait vrai aujourd'hui, parce qu'il y a une forte pression, il y a d'autres éléments extérieurs qui sont venus perturber ce mode d'organisation et de gestion des points d'eau comme les communautés le faisaient auparavant. Mais si je vous comprends bien, très brièvement, la gestion de ces points d'eau devrait être plutôt le fait des communautés locales ils plus qu'autres des États, alors. Exactement. Parce que pourquoi ils doivent être d'abord du fait des communautés locales? Parce que dès qu'il y a une crise qui éclate dans une zone, les premiers à partir, c'est l'État lui-même. Les fonctionnaires et tous les techniciens qui étaient en charge d'entretenir tout ça, selon les modalités et le mode moderne que nous sommes venus leur apporter, ben, ils sont partis. Et les communautés se retrouvent, mais démunies, alors qu'ils avaient auparavant des moyens et des ressources intellectuelles, humaines, pour gérer leurs points d'eau. Donc, nous devons construire, en tenant compte de cette capacitation des acteurs au niveau local, pour qu'en cas de crise, ben, même si l'État central s'en va ou se replie dans les capitales, en général c'est ça, le sentiment que ces populations ont, c'est que dès qu'il y a la moindre crise sécuritaire... Même s'il n'y a pas de crise. Mais elles se sentent abandonnées. Mm-hmm. Et c'est ça qu'il faut. Et donc, pour qu'elles ne se sentent pas démunies, il faut qu'on leur permette de recréer les capacités de prendre en charge la gestion de leurs affaires. Même s'il n'y a pas de crise, je pense que pour gérer la question de l'eau, c'est gérer le développement. Et pour gérer le développement, il faut mettre des structures qui permettront à tous ces jeunes, par exemple, de ne pas prendre les barques et partir, de vivre décemment, de vivre de l'agriculture, de bonne irrigation, de mettre des structures qui permettent aux femmes et aux jeunes de pouvoir s'épanouir, de gagner leur dignité. Et pour cela, il va falloir que ces personnes-là puissent gérer elles-mêmes toutes les structures qui vont être mises sur pied pour préparer l'avenir. Donc les grandes institutions, les gouvernements, comme il dit, les fonctionnaires, ils viennent en appui, mais la gestion doit rester une gestion, par exemple, des populations. Ça, c'est au départ, pour réussir quand même tous ces gens. Général de Remémont, comment vous réagissez à cela? C'est une remise en cause, au fond, de l'État, au profit plutôt de ceux qui habitent et vivent de ce territoire. Que peut faire, que doivent faire les États, finalement? Financer, simplement, ou même pas? Comment voyez-vous les choses? Vous parliez tout à l'heure des eaux souterraines qui peuvent être exploitées. C'est clair que c'est quelque chose qui est peut-être plus difficile à être réalisé par des communautés locales qui n'ont pas ces moyens-là. Donc, qu'attend-on de la part des États, et en particulier aussi de la part des anciens États coloniaux? Grosse question, oui, oui. Commençons par la première. Peut-être du non politiquement correct, mais pour être concret et trouver une voie de compromis, si vous voulez, pour avoir étudié la chose, je pense que l'avenir, la clé, se situe dans la convergence. Il n'y a pas à opposer l'acteur local avec l'acteur régional, l'acteur national, et même l'acteur international. Il y a plusieurs niveaux, et l'enjeu, et ça a bien été dit juste avant, c'est d'arriver à coordonner tout ça pour avoir une approche qui a un impact, si vous voulez, et tout. Donc, il y a des problématiques, effectivement, locales. On dit le problème de l'eau, c'est une solution locale, c'est géré localement. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Seulement, le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'accès à l'eau souterraine, les solutions sont aussi régionales et sur une autre échelle. Et donc, par exemple, la science, si on fait des études géophysiques sur des zones de 50 000 km², par exemple, on est obligé de prendre à une échelle d'un pays, si vous voulez. Donc, en fait, le problème, c'est que les populations vont souffrir du manque de gouvernance, du manque d'investissement de l'État. Et donc, le problème, c'est de donner, dans capacité, empower the people, de donner les moyens à tout le monde de pouvoir agir constructivement, si vous voulez, dans ce domaine-là.
Et la communauté internationale, y compris les Occidentaux, les militaires, ont tous une responsabilité. Tout le monde a un acteur. Mais est-ce qu'elle l'assume? Est-ce qu'elle l'utilise bien? Comment vous voyez les choses? Il y a un problème de fond, c'est que Jean Bosco a passé, je crois que c'est sous-jacent chez Jean Bosco, la ressource, ok, la ressource qu'on a gérée jusqu'à maintenant. Mais il y a un sous-jacent qui est quelque chose qui n'est pas connu, qui n'est pas assez connu. C'est la ressource en eau souterraine. Et donc, d'un point de vue scientifique, le problème, c'est les scientifiques qui ont la réponse à ça. Et il faut mettre en rapport les décideurs, que ce soit les décideurs locaux, d'ailleurs, les décideurs locaux, régionaux, en mesure de faire les bons choix, y compris le monde du développement, si vous voulez. Et tout. Donc, pour arriver à avoir une connaissance, à rendre cette eau souterraine invisible, visible, qu'on puisse concevoir, pour qu'on puisse construire dans le temps long. Si on ne fait pas cet effort-là, et c'est pour ça que on a plaidé dans ce rapport pour une action territoriale intégrée qui mêle les différents niveaux et qui soit centrée sur l'impact sur l'eau au profit des territoires. Mais il faut, comme disait Mamal, l'appui, c'est plus qu'un appui, c'est une cohérence globale. Et cette cohérence globale, de fait, aujourd'hui, elle n'est pas là. Elle n'est pas là parce qu'elle n'est pas structurée, elle n'est pas pensée et tout, si vous voulez. Donc, ça oblige à revoir les choses différemment pour sortir de ce qu'on appelle des tuyaux d'orgue, des stovepipes, entre un monde du développement, un monde humanitaire, un monde, tous les acteurs et tout. Et juste pour insister, moi, sur mon grand mantra, c'est de me dire, il y a des acteurs, c'est d'insister sur, je pense que les populations, sur l'intégration des différents horizons de temps. Les humanitaires, ce qui a été dit là ce matin, c'est jour sur le court terme, et il n'y a pas de problème par rapport à ça, mais on ne peut pas leur demander d'être sur le long terme. Je pense que les gouvernements et les acteurs locaux, les maires et tout, ont une responsabilité pour préparer le long terme. Et c'est ça qui est aujourd'hui difficile. Et donc, pour ça, et je maintiens qu'il faut éduquer tous les niveaux à concevoir des projets. Si vous voulez, il y a un enjeu même collectif et tout le monde est concerné. Excusez-moi, juste pour qu'on vous comprenne bien, ce projet, enfin cette idée d'exploiter les eaux souterraines, ça serait d'après vous vraiment une solution pour toute la région? Est-ce que le potentiel est réellement gigantesque ou comment voyez les choses? Alors, en un mot, il y a des réserves, il y a des choses gigantesques, mais le principal c'est au moins d'avoir, d'un point de vue, si vous voulez, vous parlez de colonialisme occidental, ce qu'on a sur la région parisienne, le bassin parisien. On connaît les flux, les trois étages, et on a pu organiser dans le bassin parisien, et Paris s'est fait comme ça, avec de la recharge artificielle, une connaissance des flux. Ce que tout le monde reconnaît, tous ceux qui sont intéressés à l'eau, savent qu'en Afrique, bien sûr, il y a des aquifères, il y a des zones qui sont où il n'y a rien, mais il y a des aquifères, et qu'on peut mieux connaître les flux. Et donc, l'effort de connaissance peut être mis à la disposition. Donc, il n'y a aucune raison que l'Afrique soit exemptée d'un effort scientifique, une possibilité qu'on a aujourd'hui de mieux connaître les flux souterrains. Et c'est ça qui est presque même le grand scandale pour moi d'un point de vue, c'est que la science, elle doit être en mesure d'éclairer les décideurs. Et il est là le problème, c'est qu'aujourd'hui, les décisions qui sont prises pour les banques, qui sont souveraines, hein, qui appartiennent au pays, ne sont pas forcément les bonnes. Je me permets de vous interrompre, mon général, merci, c'est très intéressant. Et je me tourne vers Madame Marion Weichelt, l'ambassadrice qui nous suit depuis le Liban, qui a donc été ambassadrice basée à Dakar. Madame Weichelt, on vient de voir l'importance que pourrait revêtir l'acquisition de la connaissance sur ces nappes, ou je ne sais pas comment il faut les appeler, sur ces eaux souterraines. Est-ce que la responsabilité d'un pays comme la Suisse ne serait pas justement d'apporter, de faire entrer au Sahel des scientifiques, de les faire travailler pour essayer d'évaluer, commencer déjà par évaluer le potentiel de cette région. Est-ce que c'est un projet sur lequel vous avez été impliqué ou la Suisse a été impliquée? Oui, en effet, la Suisse, elle travaille là-dessus. Moi, je ne suis pas spécialiste de ces questions. Mais je dirais, oui, la science, elle est importante, mais je voudrais quand même encore une fois souligner que les compétences locales existantes, on a justement cette organisation, cette ENDS dont j'ai parlé avant, qui sert comme exemple au monde, hein, la gestion de ces eaux. On ne vous entend pas très bien, je vous le parle. La même chose, ça s'applique pour les nappes, évidemment, et pour on vous entend plus très bien, Madame Weichelt. Voilà, c'est mieux. Parlez dans le micro, s'il vous plaît, qui est près de vous. Je ne sais pas où. Ouais, c'est mieux maintenant. C'est mieux. Ouais, désolé. Donc,
je ne sais pas si vous m'avez entendu, mais la Suisse, effectivement, elle s'implique dans cette question des eaux souterraines, une approche scientifique, d'ailleurs, avec le Geneva Water Hub. Mais je voudrais encore une fois souligner que les compétences locales, ils y sont. On a cette organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Il y a d'autres organisations qui servent effectivement comme exemple comment des pays peuvent travailler pour gérer cette ressource d'eau si précieuse telle comme elle est. Puis, je voudrais peut-être aussi mentionner qu'il y a quelques années, c'était The Economist Intelligence Unit. Il a lancé ce qu'on appelle un Blue Peace Index. Et ce Blue Peace Index, il évalue à quel point, comment c'est bien géré, justement, une fleuve, cette ressource eau. Et là, le fleuve Sénégal, l'OMVS, il score, il est sur une seconde place. Donc, il y a plein de savoir-faire déjà sur place. Ce qu'il manque, c'est souvent pour cette gestion des eaux, il manque les moyens, les instruments de financement qui sont aptes pour financer une organisation transnationale. Et ça, c'est aussi quelque chose que la Suisse elle poursuit parce que c'est ce qui manque. Et voilà, donc un peu la place aussi d'un donateur comme la Suisse. Merci. Merci, mais juste, j'aimerais juste vous relancer sur un point. Le financement, évidemment, c'est essentiel, et il serait certainement plus simple si l'eau était vraiment considérée comme une priorité numéro un sur certains agendas. Qu'est-ce qu'il faut faire au niveau politique et que fait la Suisse pour faire remonter cette question de l'eau dans les priorités ? Madame Weichelt. On vous écoute. Ah, on ne vous entend plus. Allô ? Maintenant, ça fonctionne ? On vous entend. Ok, très bien. Je suis vraiment désolée pour ce problème technique. La question a été, qu'est-ce que fait la Suisse par rapport au financement ? Oui, et puis pour faire remonter dans les priorités la question de l'eau qui est essentielle, qui est centrale dans beaucoup de dossiers. Là, cette question, du financement qui est cruciale, la Suisse, aussi comme place financière très grande, pense vraiment qu'elle peut contribuer quelque chose, surtout aussi avec les organisations des Nations Unies spécialisées, et de mettre à l'avance et aussi de participer justement à ce forum mondial de l'eau à Dakar, et pour mettre cette question vraiment aussi au centre des débats, pour créer une architecture qui permet un effectif financement des organisations multinationales. Mm-hmm. Et là, ça, je pense que ça a été aussi mentionné par d'autres ici, c'est aussi l'implication des communautés locales. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et là, de nouveau, il faut un plan multisectoriel, là où les communautés puissent avoir aussi quelque chose à dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je me retourne vers Jean Bosco avec une question précise. Je vous laisse vous exprimer librement, mais j'aimerais juste avoir une réponse sur qu'est-ce que vous attendez au fond, ou qu'est-ce qu'attendent les acteurs de cette région de la part des États hors région et des États de la région. Oui. Est-ce qu'ils attendent de l'argent ? Est-ce qu'ils attendent de l'expertise ? Qu'est-ce qu'ils attendent ? Avant de répondre à la question, j'étais sûr que vous alliez éviter. Je voudrais dire que d'ici que les scientifiques travaillent sur les eaux souterraines et qu'on fasse le lien entre eaux souterraines, eaux de surface, etc., pour l'instant, moi j'ai sur les bras plus de 2 millions de déplacés du fait de la situation sécuritaire qui sont allés, qui ont abandonné donc leur communauté, leur terroir avec des points d'eau et qui se sont retrouvés ailleurs
où il y a des points d'eau, mais ils se sont retrouvés avec des communautés d'accueil, avec une forte pression sur des points d'eau qui deviennent insuffisants. Et puis, il y a des zones qui sont fortement militarisées et qui empêchent des populations d'avoir accès à des points d'eau existants. Il y a des éleveurs avec leur bétail qui ne peuvent plus accéder à des points d'eau auxquels ils avaient l'habitude d'accéder avec ce bétail. On fait comment ? Bon, en attendant qu'on travaille sur le... Je comprends bien. Juste sur ce point-là, M. De Remémo, sur ça, ce là, point-là. Ça, c'est les solutions tout de suite qu'il tout de suite. Trouver. Alors, juste tout de suite, est-ce que l'armée devrait se retirer ou s'organiser autrement pour faire de la place ? Alors, là, j'ai dit, les opérations militaires doivent intégrer le fait que l'eau, ce n'est pas des biscuits. Si les gens, ils n'ont pas mangé de biscuits, ils ne vont pas mourir. Mais l'eau, mais c'est... Mais d'ailleurs, le général lui-même, il nous raconte qu'avant de déployer toute opération Serval, Barkhane, les premières installations qui sont faites par les armées, c'est quoi ? C'est d'abord de quoi approvisionner la troupe en eau. C'est vrai ou c'est faux ? Parce que si la troupe elle-même n'a pas d'eau, elle ne va pas rester là pour faire du boulot militaire. Mais alors, c'est comme quoi c'est vital, c'est capital. Je vous entends, alors, on vous entend, mais j'aimerais juste là-dessus, attendez, je vous redonne la parole, donc, juste là-dessus, j'aimerais avoir la réaction de Général de Brumémo. Non, mais c'est un débat passionnant, mais je pense qu'il y a un, je suis d'accord avec toi, Jean Bosco, il y a un problème dans la conception, on arrive à des zones où la sécurisation est prime et il n'y a que des militaires ou que les humanitaires. Et si vous voulez, je pense que le grand débat, c'est pour ça qu'on a proposé de revaloriser la stabilisation, c'est pas parce que c'est comme si on laissait tomber la sécurisation, elle prime sur tout, si vous voulez, elle s'impose à tout. C'est-à-dire, on va aller, si on continue, vers un Sahelistan, enfin, comme on disait en plaisantant, au motif de la sécurité. Or, on sait très bien que des efforts peuvent être faits pour préparer maintenant... À l'instant. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut effectivement faciliter l'accès quand c'est possible. Donc, il y a des zones, s'il n'y a que les militaires, c'est aux militaires d'avoir les moyens de contribuer à sécuriser les accès, voire même apporter des capacités génie, ce qu'on appelle du génie combat, du génie pour pouvoir faire des puits à des moments. Et ça, c'est un enjeu. Et aujourd'hui, l'Union européenne y réfléchit. Il y a des forces du Burkina, des gens, ils pensent avoir des capacités. Et puis après, il y a des zones. D'autres zones où il faut mettre des acteurs du développement pour qu'il y ait plus de coordination. Mais ça rejoint mon mantra sur le fait que ce problème-là, il est lié à un problème de coordination des acteurs et de conception générale de ce qu'on veut obtenir. Et d'accord. Donc, pour résoudre le problème à court terme de Jean Bosco, il faut aussi investir à moyen et long terme, si vous voulez. On voit bien et que c'est pour ça qu'il faut penser les choses. Ouais. Et je plaide et je maintiens mm-hmm. penser les choses différemment. Alors on voit bien qu'il y a un gap entre l'immédiat, les besoins immédiats, aussi les besoins à long terme, mais qui se rejoignent. Oui, on va devoir s'arrêter. Acteurs, alors je vous laisse finir, Jean, parce qu'on est très... Oui, très, très rapidement. Très rapidement, les acteurs, qu'ils soient militaires, qu'ils soient humanitaires, qu'ils soient... autres administrateurs, etc., ne doivent pas fonctionner en silo. Les militaires sont tout aussi des agents de développement. Ouais. Ils doivent faire leur job de militaire en pensant aussi développement. Et c'est ça. Les missions militaires doivent être conçues. Ça, c'est une révolution culturelle, pour non pour stabiliser, mais tout en apportant une perspective de développement aux communautés. Et pour revenir sur la question du financement, mais Geneva Water Hub a fait une étude dont les résultats sont disponibles. Et nous-mêmes, nous discutons avec des bailleurs de fonds qui annoncent pour cette région du Sahel mais des sommes tellement astronomiques que même nous, on ne s'y retrouve pas. Pendant ce temps, il y a un maire d'une commune du nord du Burkina qui cherche 15 000 euros pour aménager une mare qui s'est asséchée et qui s'assèche d'année en année. Et entre les annonces des milliards de dollars pour la région du Sahel et son besoin de 15 000 euros, il n'y a pas moyen de mettre les deux ensemble. Je ne comprends pas. Il y a un problème.
Ça, c'est ça la réalité du financement. Voilà. Merci beaucoup. Financement totalement et mécanisme de financement totalement inadapté aux besoins du local et aux capacités du local à faire petit à petit son progrès. À mon grand regret, malheureusement, nous allons devoir conclure. Mais pour conclure, j'aimerais avoir de chacun de vous, en une minute maximum, c'est quasiment chronométré, qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place maintenant, rapidement, pour qu'il y ait un espoir, pour que le Sahel soit, que l'accès à l'eau au Sahel soit assuré? Je commence par vous. Je pense qu'il faut impérativement qu'on inclue dans toutes les discussions, les populations, il faut les écouter. Parce que dans tout ce qui se fait, ils ont leur mot à dire, parce qu'ils ont leur expérience de vie. Ils savent peut-être des choses, ils peuvent peut-être amener des solutions que nous ne pouvons pas ressortir sur le champ. Et ça, je pense qu'il faut le faire. Dans les perspectives d'utiliser, par exemple, de l'eau souterraine aussi, il faut que les populations qui vivent au-dessus de ces eaux souterraines qu'ils soient informés. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'entre eux qui savent qu'il y a ces solutions qui sont là et qui sont des solutions qui appartiennent à ces populations. Mais il faut les informer, il faut les mettre au début de tout le processus pour que quand tout sera mis sur pied, qu'ils puissent quand même adhérer et accompagner. On vous entend bien, intégrer les populations, les informer absolument des potentiels divers. Jean Bosco Bazier, de votre côté, votre priorité absolue sur ce dossier? Moi, je pense qu'il faut revoir notre mode de pensée et il faut véritablement ramener et la réflexion et la décision et l'action au niveau local. Exactement comme l'a dit Baba Mal. Merci. Il faut écouter le local. Madame l'ambassadrice Weichelt, vous êtes toujours là, je présume. Votre action première à entreprendre, selon votre point de vue, qu'est-ce que c'est? Oh, je peux rejoindre les deux messieurs. Il faut absolument construire ce qu'on a et il faut absolument inclure les communautés locales, régionales. Eux, ils savent comment ça se passe. Merci beaucoup. Et je finis avec vous, mon général. Merci. Votre solution. J'ai l'impression aussi qu'il y a un espoir parce qu'on plaide tous, en fait, tous les quatre, pour un changement de paradigme. Et moi, je le résumerai autour de trois axes. Améliorer la connaissance, à tout le monde. Ensuite, transmettre la connaissance à tous les acteurs, ça veut dire travailler sur l'éducation. Et derrière, il y a quelque chose qui doit être changé, c'est la gouvernance. Et la gouvernance doit impliquer et doit être centrée sur l'eau. Et ça suppose, comme vous l'avez très bien dit dans votre question et tout, la question fondamentale, c'est pourquoi ce qui est sacré, Jean Bosco, tu disais, l'eau, c'est si important que ça, et pourquoi on investit si peu de ressources au regard du reste. Et la question fondamentale, et je pense qu'il y a vraiment quelque chose, une façon de faire nouvelle, et tous, quelque part, on l'a tous dit, et c'est ce qu'on propose, et je pense que c'est le motif d'espoir, c'est un problème de système, c'est un problème systémique. Merci beaucoup messieurs ici présents, merci beaucoup à l'ambassadrice Weichelt qui s'est jointe à nous depuis le Liban. Et puis nous allons maintenant, avant de passer aux questions, le temps devient court, mais avant de passer aux questions, je vais passer la parole à Monsieur Danilo Turc, que j'invite à venir s'asseoir, ici à la table également. Monsieur Danilo Turc, qui est leader conseiller politique pour le Water Hub en matière d'eau, et il a évidemment des ressources, si on peut dire, puisque Monsieur Turc a été le président du Global Panel de haut niveau créé sur l'eau et qui a rendu le premier grand rapport du genre en 2017 déjà. Et last but not least, M. Danilo Turc a été président de Slovénie. Il a également officié de longues années comme ambassadeur auprès de l'ONU, une organisation qu'il connaît particulièrement bien. Monsieur Danilo Turc, je vous laisse faire ses closing remarks. Si the floor is yours, comme on dit. Merci pour le micro. Thank you for the microphone. Well, this is a special. Put it as close as possible, please, because yeah. Yeah, it works. It works, but it's even better if you take it in your hands, so we are sure it's okay. Next to you. Very good. Well, look.
This is a very special moment for somebody who had worked as chairman of the Global High-Level Panel on Water and Peace, which produced a report with the title A Matter of Survival. And I think that the discussion today fully justified that choice of the title of our report. And without going into recitation of what was said today, I think that the whole discussion, starting with the opening remarks of Michael Müller, demonstrated the drama of water, the opportunity of water, the necessity relating to water. Now, my take at this point, and this is this moment at the end of our discussion, both panels, is that I would like to relate, that I'd like to speak about water as a paradox. We understand, I think, the world at large, and much of the general public understands that the world is entering into a global water crisis. But the paradox is that the political discourse about water continues to be subdued, somewhat timid, and not sufficiently articulated. The question which was very succinctly put before us by Michael Müller at the beginning was, how do we mobilize political will and do it quickly? Now, this is a global task. And the paradox is that we don't see this understanding emerging sufficiently quickly and at a sufficiently high levels and sufficiently comprehensively. Today is the beginning of the UN general debate. The General Assembly is starting today, and heads of state and government are coming. The President of the United States will be there. Some other presidents will not be there for reasons which we understand. And they're going to talk about the world problems. And I wonder how many of them, if anybody, will mention the problem of water. And I think that if they don't, we see the problem rising. We understand that the United Nations is the expression of global political and developmental concerns is preparing for the, in the context of the World Water Action, for a midterm review in 2023. But can we do something really meaningful between now and 2023? And I think that that's a challenge for us, and that has to be approached in this understanding of the paradoxical nature of everything that's happening today about water. And let me go a little bit further into some of the details here. In the first panel, we heard Patrick Youssef of ICRC, who again spoke about the paradoxical nature of dealing with water in armed conflicts. On the one hand, one deals with water as a matter of survival, as a matter of humanitarian assistance, making sure or trying to make sure that civilian population is not starved by denial of water or destruction of water infrastructure. That's one thing. But there is another thing which is completely different, making water as an instrument of peacemaking and subsequently of peace building. Now, these are two very different tasks, and they can hardly be put into a single mode of action, a single modus operandi during an armed conflict. We have heard about UNICEF and its work, about the experience of a humanitarian organization in the armed conflicts. And UNICEF has done important work by bringing to the Security Council, to the UN Secretary General, to the world public, their experience in new ways. And I think more needs to be done so that the understanding of the depth of the problem of water in armed conflict is there, and that the distinction between these two types of needed international engagement, protection of civilians during the conflict, and then making sure that water becomes a factor of peace, stability, and development, and human rights as soon as possible. Peace is not only absence of war. Peace is a promise of development. And that has to be taken into account. Another paradox. Mara Tigginio spoke about the sophistication of the international legal regimes of transboundary water cooperation, including transboundary water basins. Now, we have heard, Michael Müller, I think, spoke about that also, around 300
transboundary water basins in the world, but about only about 90 transboundary water management systems exist. So less than one third of this transboundary water basins have appropriate international regimes, and not all of those regimes are sufficiently active. We have two major United Nations conventions which define in some legal detail on how to handle that, but then at the same time we see the problem of the Nile, where no solution is in sight, and obviously after a long history. Now we have heard also about water as an instrument of building trust and being outside of negotiations in the Middle East. Another paradox. How can trust be built for real if it is divorced from efforts to bring peace? I think that there is a necessity to move in parallel tracks. Clearly, one can see political needs to do both. But at one point, these two trends have to come together. And of course, when one listens to this discussion, one is encouraged by what we heard about the Ninth World Water Forum in Dakar. And I must say, I was very pleased to hear that the ambition level around the Ninth Forum is fairly high. And that's good, because Dakar and Senegal have the moral and political legitimacy to give a lecture to the world, because OMVS is a fantastic system that actually works. And I'm saying this as a person coming from a country in Europe which is aware of the long history of European efforts for transboundary water cooperation. In Europe, ever since the Peace of Westphalia, every other peace agreement ended with a water cooperation regime. And obviously, we have understood in Europe that long historic periods are needed to develop sophisticated water management regimes such as the Rhine or Danube or others. But in Senegal and in the area of Senegal River, which involves obviously also Guinea, Mali, and Mauritania, they have been able to do it in a fairly short period of time to a level which is really special and obviously something from which the world can learn. And we have heard from Baba Mal on several occasions how important the cultural background for that practical success was. Because if there is a culture around water which is supportive of a political initiative and a legal construction, then obviously water cooperation can become a very meaningful and important factor of building peace. I was encouraged to hear that Senegal is planning to bring together African heads of states and some of the heads of international organizations to Dakar for the Ninth World Water Forum for a summit level discussion on water issues. We'll see how that goes, but I think that it would be wonderful if there could be some progress with regard to Africa, with regard to the Nile, for example, or whatever. We have to overcome the paradox of, on the one hand, understanding how important and dramatic the water situation is, and on the other hand, how weak the political will to change the situation continues to be. Now, let me say a few words about our panel on the Sahel, which showed this paradoxical nature in full color and full shape. I mean, we have had a very interesting discussion, and I'm glad that it was so lively and so impregnated with the fine definition of all the problems that exist. And I would like to start or to join it from another angle. You see, I am a person who has spent many years in the United Nations, and I follow the work of the United Nations Security Council permanently. Now, the Security Council spoke about the Sahel and West Africa many times, including most recently in a what they call presidential statement, a consensus statement, on 16 August this year. And it is interesting to watch the evolution of the UN approach. Of course, UN is not the only actor. UN is a kind of a synthesis of a variety of actors which are active in the area of Sahel. And we have seen this evolution from an initial kind of quasi-optimistic commitment to military force and a comprehensive peacemaking or peace operation, a somewhat
overly optimistic approach, which was not followed by the necessary sophistication in designing policies and seeking solutions of which General de Romamont spoke. I mean, that was not there. I mean, the kind of sophistication you are calling for, it was not there from start, and it is not there now. And the interesting thing is precisely that the Security Council seems to be looking for solution in the ways our panel was looking for them. Again, finding a way, as Jean Bosco Bazzi was saying, to understanding the importance of coherence, to bringing all levels of society into the picture, to build more and perhaps decisively on the experience of local levels, on the experience of communities as exist, on the experience of culture that exists. Again, Baba Mal spoke about that in a variety of contexts. And it is interesting, in Geneva Water Hub, we have had several discussions on this kind of questions, and it was clear that, that is the way to go. And that one has to consider things which were hitherto not considered in the efforts to find solutions to water problems in the area. For example, the importance of local languages, the importance of addressing the needs of the people through the way they express themselves in their own language. Mm. A very important aspect which was lacking, a cultural aspect, but essential if one wants to build the kind of coherence which is needed. Now, that of course is an important part, but certainly not the only one. We have heard from the panel very interesting remarks on other aspects. And again, I would like to refer to what General de Romamont told us about the importance of groundwater, importance of the experience that the militaries have gained in the past years. You see, I take this as a point of departure for further work, because in the Sahel, but also in other parts of the world where UN or international deployment of military forces took place, we saw that the military capacities were not deployed adequately or not deployed at all. The engineering capacities of major military systems will be increasingly important in the future, because only the militaries have the capacity, the knowledge, the experience, and often also financial resources to act quickly and decisively. But they cannot do that on themselves. They must do this in the framework of a political understanding, in a framework of understanding the local culture. If I put it in a slightly more economistic language, demand-driven, in a demand-driven fashion, not in an imposing fashion. And that has been lacking so far, and therefore the capacities that exist were not properly used. So we have to think about all these questions in designing future approaches. It seems that from the global level, it is recognized that the time has come to understand all these paradoxes and seek a new approach, which is not going to emerge overnight, and which will require a very strong involvement of not only the region and regional states, but also from the communities and local actors. Now, UN, of course, has to be careful on specific situations. I mean, what I'm saying is still fairly general, but if one only thinks about the complexity of an area like Imtako-Gourma, which is not only water related and not only complicated, but it's also transboundary, and one has to figure out how to then coordinate the needs for an appropriate global approach, but one that actually respects the national sovereignty of states involved and the transboundary work of different communities. Now, I come from a country where we have a lot of experience with transboundary cooperation, not only water cooperation, and I know how important it is to figure out the right balance between the sovereignty of state and the needs of local communities in their transboundary arrangements. Again, there is plenty of experience in the world, and each region is different, and I'm sure that this question will be an important one in the search for finding a proper solution to water problems in the Sahel. Now, to conclude, I would say, obviously, global coherence is not yet there.
global financing is not adequate. Clearly, we have heard about huge amounts of money which were invested, but on small amounts of money which were missing. I mean, there is a need to do something more there. And there will be many things happening in this regard. They will have to happen. We have seen the green financing developing already and other instruments. Very recently, there was a proposal to build, I mean, there is not only a proposal, there is a project to establish an international water bank, which will finance water projects. A very optimistic project, which includes a former High Commissioner for OMVS and former Minister of Environment, of France, Brice Lalonde, is involved in that, and many other people are involved. So what I'm trying to say is, you know, one has to, in addition to this search for coherence, respect an appropriate inclusion or basing of policies on the local and regional experience, look also for the innovations at the international level, such as the International Water Bank, and other innovations that will follow. And obviously, Geneva Water Hub will have much to do in the future, I'm sure, because there are many new developments that are happening. Some of them will be discussed as early as next week. We hear very positive developments about Senegal, Mauritania, aquifer dialogue and progress in that regard. And I believe that when that project succeeds, not if it succeeds, it must succeed and it will succeed, it will show a kind of a change of paradigm which would help finding better solutions for problems that we have been discussing today. I would like to thank you for having given me the opportunity to say all these things, to listen to me for quite a bit of time. But I have been very passionate about these questions for now, so you should know the next time you don't give me the right to give the final word, and you will hear less of my speaking. Thank you very much. Thank you. Nobody regrets the time you took, because very interesting conclusion points, really, and we can have those takeaways now about this after this debate about the water security, a real very important debate, and we felt it was even more important than we thought at the start, very clearly. And thank you to you all for your inputs. It was very interesting. Now, before we leave and before we go for a quick lunch, I'd like to ask if there are questions in the room. Please make it as short as possible, as we are already over time. Yes, sir. Your name and organization, please. Martin De Sapinto, formerly Reuters, freelance journalist. Just want to ask, effectively, I didn't hear anyone mention the role of corporations, especially the extractive industry, and the role of corruption in this conversation. The human right to fresh water. We've seen questions not only in the developing world, but also in the developed world. In Flint, Michigan, we've still got an ongoing problem of fresh water. And allegations that a Swiss company has direct access to the fresh drinking water, which local population haven't got. So I want to understand whether this actual pecking order, if you like, that extractive companies in Africa tend to have direct access to the water that local populations don't have. How do you see this as part of the problem? I'm surprised it hasn't been focused on as one of the major issues here. Thank you. Who would like to answer the question? Jean Bosco Vazier, perhaps. Oui, alors, deux choses. La première concernant les entreprises, qu'elles soient des entreprises, des multinationales ou même aujourd'hui
des petits exploitants, notamment dans le secteur minier, incluant bien sûr l'exploitation minière artisanale dans les zones. Aujourd'hui, c'est l'utilisation de certains produits polluants comme le mercure, le cyanure dans le traitement de l'or, par exemple, est un des gros problèmes que rencontre la zone sahélienne, parce que le peu de points d'eau au niveau village, dans la brousse, avec l'apparition donc de cette industrie extractive au niveau local, les ressources en eau sont de plus en plus polluées. Et avec des législations dans les États qui sont très peu adaptées pour lutter contre ces phénomènes-là. Donc, pour les grosses entreprises, ce sont malheureusement des contrats qui sont signés au niveau national pour des activités extractives au niveau local. Ce qui génère aussi des frustrations au niveau des populations, de plus en plus de frustrations, et vous avez remarqué d'ailleurs que des populations de la région commencent à s'attaquer à des installations de ces entreprises extractives dans la zone. Donc, c'est donc des questions à la fois de politique, mais aussi de politique au niveau national, pour encadrer donc l'installation et toutes ces activités extractives dans la région, et de frustration au niveau local, mais qui engendre les problèmes qu'on connaît, avec bien sûr la corruption, qui n'est pas que pour le secteur de l'eau, et c'est connu, il y a une grande part de corruption aujourd'hui dans tous les secteurs où il y a de grosses transactions, et qui font que c'est des moyens, des ressources en moins pour le développement des communautés. Merci beaucoup. Si personne ne souhaitait ajouter autre chose, est-ce qu'il y a une question? Oui, monsieur. Thank you very much. My name is Dinesh Suna. I'm from the Ecumenical Water Network of World Council of Churches. We're based right here at the Ecumenical Center in Geneva. I was very impressed at the mixed background of the speakers, but I definitely missed a representative from the faith-based organizations, as Baba Mal has emphasized the importance of culture in behavioral changes and approaching people. Faith organizations also do have such great impact on people, on their behavior, on their conflict management, and so on. Most of the time, the first responders. So that probably would have made this very complete. A second observation is to our Senegalese friends and those who are organizing World Water Forum. I have attended almost six past World Water Forums. It is not easy for an ordinary civil society organization or a grassroots organization to attend. It costs hundreds of dollars. Registration fees itself for one individual to attend costs about 5,000 euros. I have attended past also in Brazil. How do the local participants from Senegal would be able to attend and make their voices heard? And therefore, we also promote an alternative World Water Forum that also we are organizing in Dakar, giving an opportunity to the local civil society organizations, FBOs, and so on. So a take on that also, please, from our Senegalese friends. Thank you. Thank you, sir. Who would like to answer? Jean Bosco, vous secouez la... Oui, moi je peux répondre parce que je suis aussi dans le groupe de travail du Forum mondial de l'eau, et dès le départ, ce fut une forte volonté du Sénégal et des organisateurs du Forum de faire en sorte que le niveau local soit représenté. Donc c'est pour ça d'ailleurs que dans le comité préparatoire du Forum, la société civile, que ce soit la société civile sénégalaise, africaine et internationale, sont membres du comité préparatoire du forum, que ce soit au niveau des femmes, au niveau de la jeunesse, mais aussi des organisations, d'autres organisations de la société civile qui appuient donc le secteur de l'eau en Afrique. Vous prenez par exemple les parlements mondiaux de la jeunesse pour l'eau. Toutes ces organisations sont aujourd'hui impliqués dans le processus préparatoire du forum, en sorte que
à Dakar en 2022, on fasse tout, et s'il y a des bonnes volontés du Nord qui peuvent aider à ce qu'une mobilisation locale soit davantage faite pour que des réponses et des idées parviennent au forum, parce que tout le monde ne pourra pas y être, mais au moins qu'on fasse que le maximum de représentants des acteurs locaux soient au forum. Au niveau culturel, il y a également un panel qui s'organise pour que la culture aussi soit fortement présente, et Baba Mal est mieux placé pour y répondre. Oui, il y a une forte mobilisation d'artistes, d'hommes et de femmes de culture, pas seulement du Sénégal, mais de la sous-région. On peut citer les Fatoumata Diawara, et des musiciens de la Guinée, du Mali, donc du Sénégal, de la Mauritanie, Noura, donc qui ont répondu vraiment présents pour accompagner ce forum et pour faire de telle sorte que cette partie donc qui interpelle le monde de la culture pour pouvoir être des relais après le forum pour faire participer les populations davantage puisse quand même être une réalité. Mais il y a aussi un planning qui est bien peaufiné avec le festival de Mbumba où on a prévu de faire venir toutes les personnes qui vivent autour du fleuve Sénégal, puisqu'on le fleuve Sénégal est à l'honneur, donc de les écouter. Parce que quand on veut aider quand même une population, c'est comme entre le médecin et le malade. Le médecin veut vraiment guérir le malade, mais c'est le malade qui est beaucoup plus concerné par sa maladie, parce qu'il veut vraiment tourner sa vie vers le bon côté. Donc, ces populations, nous allons les écouter, nous allons leur donner la parole, nous allons leur laisser, par exemple, le micro, dire exactement en quoi ils veulent être accompagnés, parce que c'est un problème d'accompagnement pour trouver, par exemple, l'harmonie entre les personnes autour des questions de l'eau et du développement, donc qui est accompagné par l'utilisation de l'eau et du fleuve. Merci beaucoup, Baba Mal, et merci beaucoup à l'ensemble des speakers et des intervenants aujourd'hui pour cette discussion qui a été extrêmement riche et avec des propositions concrètes. Et on voit que les attentes pour la conférence l'année prochaine, le World Forum à Dakar, sont importantes. Il ne reste plus qu'à espérer qu'elles puissent se matérialiser réellement à ce moment-là. Et merci à vous tous et à vous toutes. Vous êtes tous invités aussi à partager un verre et quelques petits éléments de collation dans la salle qui se tient juste à côté. Et voilà, je crois qu'on va pouvoir s'en tenir là. Merci aussi à nos partenaires, je rappelle, Geneva Water Hub et Geneva Solutions, le média de la Genève internationale en anglais. Merci à vous tous et je vous souhaite encore une bonne après-midi. Au revoir. Merci.